Salut, salut. Bienvenue sur la chaîne Info Astuce d'Abidjan pour vous présenter une nouvelle application. Aujourd'hui, l'application qui va vous permettre un VPN très spécial, c'est-à-dire lorsque vous êtes à votre service ou bien vous êtes à l'école ou bien dans un espace que le fournisseur Internet a bloqué, c'est un site, que ce soit Facebook ou YouTube, voilà. Ce VPN déjà va vous permettre de contourner cette barrière-là afin de vous connecter sur ces sites qui sont bloqués par votre, soit par votre entreprise, soit par votre école, pour ne pas que vous ayez accès à Facebook ou à YouTube, voilà. Donc déjà, si tu es nouveau sur ma chaîne, que tu viens à peine de découvrir ma chaîne, je t'invite à t'abonner. Tu verras juste en bas un petit bouton s'abonner juste en bas. Il suffit tout juste d'appuyer dessus et aussi d'activer la petite clochette qui est juste à côté et surtout activer toutes les notifications pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos avant les autres pour être informé et pour être aussi au parfum de toutes les nouvelles applications que je peux vous montrer sur ma chaîne. Voilà. Donc comme je le disais, on le sait déjà, lorsqu'on est dans une entreprise ou même dans une école, le plus souvent à l'école, les informaticiens ont tendance à bloquer certains sites, que ce soit Facebook, pour ne pas que les étudiants partent sur Facebook pour causer avec les amis, pour être distraits, ou YouTube, pour ne pas que ceux-ci regardent les vidéos, voilà, qu'ils soient distraits. Voilà. Donc, l'application que je vais vous montrer ce matin va vous permettre d'aller au-delà de ces restrictions-là imposées par vos informaticiens de l'école. Voilà. Donc, déjà, comme on peut bien le voir, je ne peux pas aller sur YouTube. Je vais essayer de rentrer sur mon YouTube. Vous allez voir que mon YouTube ne va pas s'afficher. Voilà, comme on peut bien le voir, mon YouTube ne s'affiche pas. Et pourquoi? Tout cela parce que ils ont bloqué en fait YouTube. Je ne peux pas accéder à YouTube. Mon Facebook aussi ne passe pas parce que ces deux sites ont été bloqués pour ne pas que on puisse aller sur ces sites-là pour être distrait. Voilà, comme on voit, ça tourne, ça ne sort pas. Donc, si tu es dans ce cas-là, si tu es à l'école, que tu n'arrives pas à accéder sur certains sites, je vais te montrer comment tu dois faire pour pouvoir accéder à ces sites-là, même si vos informaticiens ou bien vos fournisseurs Internet ont bloqué ces sites. Donc, tu vas te rendre sur Play Store tout simplement et tu vas télécharger ce logiciel, cette application qu'on appelle Unblock Website. Voilà, je vais en trouver pour vous montrer. Unblock Website, comme vous pouvez le voir, elle se trouve sur Play Store et je pense bien aussi sur Apple Store. Voilà, tout bloqué. Voilà, ne vous inquiétez pas, je vais mettre le lien de l'application dans la description pour que vous pouvez la télécharger rapidement. Donc, lorsque vous allez venir ici, vous allez voir installer, vous allez appuyer sur installer, tout simplement pour installer l'application sur votre téléphone. Une fois que l'application est installée sur votre téléphone, vous allez venir dans l'application et vous allez rentrer dans l'application. Voilà, on voit qu'on est en train de rentrer dans l'application. Voilà. Donc là, on voit déjà qu'il y a le serveur de la Pologne qui est là, qu'on peut se connecter là-dessus. Donc pour se connecter là-dessus, c'est tout simple. Vous allez appuyer sur le bouton de démarrage qui est là. Vous allez appuyer dessus. Imaginez un plat de tacos fond. On va attendre que la publicité passe. On ferme la publicité. Et on voit que l'application est en train de se connecter tout juste en haut. On voit que la clé est sortie tout juste en haut. Donc une fois que c'est connecté, vous n'avez plus rien encore à faire. Vous pouvez venir sur YouTube. Vous pouvez venir sur YouTube. Voilà, vous allez voir que YouTube va apparaître. YouTube ne sera plus bloqué. Voilà. Donc, on va attendre que YouTube s'affiche. 2 semaines en fait. Comme on voit, 85 chaînes TV en direct, DVR illimité, bouton enregistré. 2 semaines en fait. Non, merci. Voilà. On voit que Facebook passe bien. Voilà. On voit que Facebook passe bien et là il n'y a plus de blocage. Voilà, on voit que YouTube passe bien, très bien, et c'est pareil que ce soit pour Facebook. Voilà, tous les sites que vos opérateurs ont bloqué ou bien votre école a bloqué ou bien votre entreprise a bloqué grâce à cette application Unblock Website. Voilà, vous aurez accès à tous ces sites là qui sont bloqués. Voilà, donc c'est très simple. Et vous pouvez l'utiliser illimité, en illimité, voilà, ça ne va pas se déconnecter. Voilà. Donc, c'était une petite astuce ce matin pour vous présenter ça. Voilà, bon mois de mars à vous. J'espère vraiment que ce mois de mars sera vraiment un mois vraiment de succès pour vous. Donc, portez-vous bien. Et si vous avez aimé ce petit tutoriel, n'oubliez pas de partager à vos amis. De partager à vos amis et de laisser un gros pouce bleu tout juste en bas. Portez-vous bien.